À la table A, il y aura les petits geeks. C'est tout jeune. Ils sont trois de Bruxelles et ils avaient réalisé 33 points. Donc les petits geeks à la table A. Et les petits geeks, ils vont affronter à la table B, Uber Robotique. Donc là où je me trouve, Uber Robotique peut venir. Uber Robotique, ils sont pour l'instant, si je ne me trompe, deuxième avec 130 points. Donc sur l'îlot A, Uber Robotique peut venir me rejoindre à la table B. Et en face de moi, à la table A, les petits geeks sont invités à venir placer, déposer leur matériel. On ne se précipite tout de même pas, puisque ce match est prévu initialement à 13h30. Et je sais notamment, il ne faut pas aller trop vite, puisqu'il y a des équipes aussi qui sont en train de passer devant le jury, donc on ne peut pas les pénaliser non plus. Et donc nous attendrons que ces deux équipes, qui sont très certainement occupées ailleurs, dans d'autres épreuves, arrivent ici, tout près de l'îlot A. Et pour ceux qui s'intéressent de voir les matchs et qui voient qu'ici, ben, il y a un petit temps mort, n'hésitez surtout pas à vous rendre dans les stands de ces 16 équipes pour y découvrir des projets très intéressants. Et puis, juste à côté, il y a aussi les stands du concours pour les kids, pour les plus petits, en dessous de 9 ans, justement, et qui viennent présenter leurs différents projets. Et il y a aussi là-bas des choses très intéressantes à découvrir. Alors que voilà, et qu'arrive Uber Robotics, ici, îlot A, table B. Uber Robotics qui avait réalisé une très très belle première manche, puisqu'ils sont actuellement sur la deuxième marche de ce podium. Au niveau des matchs, ils sont bien, au niveau du concours robotique. Pour tout ce qui est des jurys et des autres épreuves, nous ne sommes évidemment pas au courant. Il faudra attendre la fin de la journée pour avoir le classement final. Et puis en phase 2, il y aura, venu de Bruxelles, les petits geeks. Ils sont trois. Il y a un grand frère et sa petite sœur qui a 9 ans. Et puis le cousin qui a 10 ans, justement. Et les voilà, vous pouvez aller là-bas, sur la table en face, à l'îlot A. Les voici, les trois après vous, qui avaient réalisé une belle petite première manche avec 33 points. Ils vont essayer d'améliorer tout cela. Il était parlé près d'eux pendant la pause. Ils avaient effectué les réglages. Ils espéraient réussir une ou deux missions de plus. Ce serait super pour eux, alors que du côté d'Uber Robotics, ici je suis avec Sohan Delgado. Sohan Delgado, nom, prénom s'il vous plaît monsieur, ça va bien la forme? Oui. Ça a été les petits réglages. Alors, mais déjà vous, pas facile parce que une première manche qui a quand même cartonné, 130 points, est-ce que ça va être facile de faire encore mieux que ça? Nous aux entraînements on avait déjà eu plus, donc on espère avoir plus, mais après ça dépend aussi de... Si le robot est bien réglé et tout ça. Vous tablez sur combien de missions réussies pour battre ce score de 130 points? Sur au moins 6. 6 missions, alors ça ce serait fabuleux, on vous le souhaite évidemment. Vous êtes prêts, 7e mission peut-être en extra, en bonus. Voilà, et justement vous avez parlé de quoi? Vous avez présenté quoi comme projet au jury de coopération? C'était pas le projet scientifique, c'était eux qui nous donnaient une épreuve du coup à faire en coopération. Et c'était pour tester notre confiance, notre habilité à communiquer sans forcément parler et tout ça. Et l'esprit de groupe surtout, visiblement, je ne suis pas à l'intérieur du groupe mais ça a l'air de bien se passer. Tu t'entends bien avec tout le monde? Oui, on s'entend tous bien avec tout le monde. Ça va, allez, bonne, très bonne deuxième manche, Sohan, monsieur Sohan Delgado. 130 points,
130 points, score à améliorer pour Uber Robotics. Et puis, ils sont venus de Bruxelles au tout dernier moment presque, hein, pas loin, justement. Nos petits geeks, 9, 10 et 12 ans, qui ont réalisé 33 points lors de la première mission. Rappelle-moi ton prénom. Noah. Noah. Noah, on va essayer de viser combien de missions réussies et combien de points pour cette deuxième manche. Seulement déjà plus que l'ancienne. Et on verra ce qu'on peut faire. Vous aviez fait combien de missions réussies à la première manche ? Il me semble deux. Deux. Donc on va viser au minimum trois. Oui. Ça a été lors du test, lors des réglages ? Oui. Et puis vous avez fait le jury, vous ? Oui, on a fait le jury. On a fait les deux, le jury de recherche et d'équipe, oui. Ah, ça s'est passé comment, les différents jurys ? Vous avez dû parler de quoi ? Il y avait un problème avec les astronautes et aussi présenter notre projet. Ça s'est bien passé ? Oui. Allez, bonne chance à vous, en tout cas, durant cette deuxième manche. C'est le troisième match entre les petits geeks à la table A et Uber Robotics à la table B. Mais voilà, ce qu'il y a de bien aussi dans ce concours de la First Lego League, c'est qu'on vient avec différents niveaux, différentes ambitions. Pour les petits geeks, c'est une première expérience qui a été construite, on s'est inscrit sur le tard. Et le but ici, c'est de faire mieux en mieux à chaque manche. Tandis que du côté d'Uber Robotics, si aussi on compte faire de mieux en mieux, ben là, il y a quand même un petit intérêt au niveau du classement, parce que 130 points pour la première manche, ils sont deuxième, et pourquoi pas faire encore mieux. Passer premier, on nous le dit carrément ici à la table Uber Robotics, il faut avoir de l'ambition aussi, c'est comme ça qu'on y arrive. Allez, nous commencerons donc dans 2-3 minutes. Et on voit que du côté des petits geeks, là, on est en train d'effectuer les derniers réglages. On s'apprête et on explique comment ajouter les derniers éléments pour les missions suivantes. Alors que du côté d'Uber Robotics, on est prêt là. On souffle. Il y a un peu de stress. Et on se tape dans les mains. L'esprit d'équipe, il est là, très clairement, du côté d'Uber Robotics. Et puisque les juges-arbitres sont prêts, les petits geeks sont prêts, Uber Robotics, depuis bien longtemps, on peut lancer le décompte avec tout le monde. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 2 minutes 30 pour réussir un maximum de missions avec le chariot réussi de part et d'autre. Et Uber Robotics qui a vu grand, ils ont réussi deux premières missions. Ils ont essayé de lancer deux autres chariots en même temps. Ça n'a malheureusement pas fonctionné. Mais en tout cas, il y a de l'ambition. Ils tentent de battre le premier résultat. C'est plutôt pas mal, il s'en est fallu de peu. Deuxième mission pour Uber Robotics avec l'arrimage qui ne s'est pas bien passé. Il y a quelques petits réglages à faire, mais voilà, on ramène les éléments dans le bon espace. Et ça fait trois missions déjà réussies, si je ne me trompe, pour Uber Robotics. On verra tout ça avec les arbitres, évidemment. Du côté des petits geeks, on avance aussi. Et là, on est toujours avec Uber Robotics. Vous voyez qu'ils tentent de mettre un élément. Les voici à l'écran, les petits geeks qui se préparent à aller danser la lune. Non, on va autre part. Voilà, la décollée, la fusée qui a décollé, c'est parfait. Et deux d'un coup, excellent. Deux missions réussies d'un coup, ça fait trois. Et est-ce que ça touche ou pas ? Là, c'est pour les arbitres et une troisième aussi réussie. Et on prend un point de pénalité, mais en tout cas là, pas mal du tout les petits geeks. Qui me semble-t-il vont améliorer très clairement leur résultat de la manche 1.
Je rappelle, et on le voit, hein, vous le voyez à ces tables-ci, alors qu'il reste 45 secondes, on a des participants très très jeunes. Hein. On est autour des 10 ans, 9 ans, 12 ans, 13 ans maximum ici pour l'instant. Ah, il s'en est pas fallu le grand chose pour les petits geeks, alors que du côté du Bell Robotics, il y a des éléments posés. Il reste 15 secondes et on préfère arrêter du côté du Bell Robotics pour ne pas prendre de points de pénalité, alors que du côté des petits geeks, on en tente une derrière. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est fini. Pas mal, on peut les applaudir. On peut les applaudir avec les petits geeks qui ont certainement amélioré leurs résultats. Et avec Uber Robotics, c'était difficile de battre 130 points. Pas sûr qu'ils y soient arrivés, mais au moins ils ont essayé, se sont donné les moyens de tenter justement. Venez, n'ayez pas peur. C'est pas parce que ça s'est un petit peu moins bien passé dans cette partie-ci que c'est pas mal, parce que voilà, vous avez tenté vraiment le tout pour le tout, hein. Lors d'un passage, de réussir 2-3 missions, ça ne s'est pas forcément passé comme vous le vouliez. Non, parce qu'en fait, on n'a pas bien mis l'engrenage et donc ça n'a pas réussi la roue. Celui-là, il a été trop loin. Ceux-là, ils ont réussi ou pas parce qu'ils sont en dessous. Mais sinon, celui-là, il n'a pas réussi parce qu'il était un peu... Enfin, je pense que c'est à cause du suppositoire. Et voilà. C'est celui-là, le petit pion... Voilà, sur un départ raté, ben, y a 2-3 missions évidemment qui ne réussissent pas. Mais vous allez quand même encore tenter, il reste encore une manche pour essayer de battre ces 130 points. On voit, ça se joue à pas grand-chose. Faut continuer, hein. Moi, je dis qu'il y a encore Antoine et Luc, Manon et Sohan qui peuvent y arriver. Donc on a encore une chance. Donc, Voilà, c'est bien de compter sur l'équipe, c'est parfait. Au niveau de l'entraide et de la coopération, eh bien on a... très clairement compris le message.